Zagadło kamera na siebie Julia Kurczana. Yes. Et j'ai un truc qui est d'abord, il a vraiment été très sympa. Le thème que nous avons, c'est de ne pas donner accès au diable. Couvrir les canaux. Qu'est-ce que ça veut dire donner accès? Couvrir les canaux, puis il y a un gâteau là. C'est de se mettre de côté juste un tout petit peu. Hanouma a gagné mon mojito. Et tu laisses passer quelqu'un. Couvrir les canaux, ça a gagné le chien, le petit coucha, on a gagné le chien. Et tu laisses passer quelque chose. Cyangwa akagira ikintu kigucuruha andi buryo. Kubereka no gusiga urwuho hakagira ikintu kijije. Kiti yambe nari ifite umwanya munini ariko umuntu ufite umwanya mutoya kubera ko nyine tuguze ibi ngibi ndashaka rero kuvuga mu magambo make ibyo nateguye. Ijambo turi kugenderaho riri hariya mu Efeso bamaze iminsi barivugaho igihe kinini. Et notre thème est dans ce verset d'Éphésiens 4, 26 à 28. Le verset 27, la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Vendredi, le serviteur de Dieu a prêché, j'avais envie de lui demander de prêcher encore. Il a très bien expliqué. J'avais envie de lui demander de revenir. Il a très bien expliqué. Et je ne veux pas parler beaucoup aussi. Dans Ephésiens, Éphèse, c'était un endroit. Et Paul est passé par là en quittant Corinthe et il a commencé son œuvre là-bas. Et c'était très difficile pour lui de commencer son œuvre là-bas. Ils avaient des dieux qui priaient. Ariko Pawulo araza atangira umurimo muri Efeso. Et Paul est venu là commencer son ministère à Éphèse. Ubundi yagiye ahafite amezi atatu. Il avait trois mois. Ariko arangije Bibiliya ivuga ngo yahamaze imyaka ibiri. Mais la Bible dit qu'il a fait deux ans là-bas. Mu mezi atatu yabonye ko misiyo atayirangiza arongera aricara ahamara mu myaka ibiri. Il a vu qu'il ne pouvait pas accomplir sa mission en trois mois, il a fait deux ans. Ahamaze imyaka ibiri ngo yari arimo kwari ugucarenje abwiriza ubutumwa bwiza agakora n'ibitangaza. Et prêcher l'évangile, la Bible dit que beaucoup de miracles se sont passés au point que les gens prenaient des linges, des tissus, ils touchaient Paul et il allait toucher les malades guérissaient. Alors la naissance de l'église d'Éphèse est dans Actes des Apôtres 19. C'est là où il a commencé à prêcher l'évangile et c'était très difficile. Mais parce qu'il avait l'Esprit de Dieu, parce qu'il avait la puissance de Dieu, Paul est devenu célèbre. Après qu'il est devenu célèbre, les gens ont commencé à l'imiter. Il y avait sept fils de Séba. C'était l'un des principaux sacrificateurs. C'était un juif qui était à Éphèse. Et il y avait ses sept fils. Ses fils ont voulu imiter ce que Paul faisait. Ils sont allés devant quelqu'un qui était possédé. Ils ont commencé à chasser le démon par Jésus que Paul prêchait. Ils ont
Jésus et ils ont voulu chasser le démon par le Jésus que Paul prêchait. Birumvikana ko Pawulo yarakomeye cyane kugeza abantu bajya kuvuga ibintu avuga bakabivuga batanamize. Ça veut dire que Paul était puissant au point que les gens pouvaient répéter ce qu'il disait même sans le savoir. Aragenda ngo abicara imbere ngo batangiye kuvuga ngo abadayimoni baramubwira ngo Pawulo ubu turamuzi ndetse na Yesu nawe ndamuzi mwebwe mu Rwanda. Les démons connaissent les gens qui servent Dieu vraiment. Si Dieu pouvait frapper ces personnes et qui se repentent. Et l'homme possédé a frappé ces personnes. Hallelujah! Kimaze kwamama abaefeso Pawulo abandikira yarabazi. Quand Paul écrivait aux Éphésiens, il écrivait. Yamaze kubabwiriza ubutumwa arigendera. Amaze kugenda kubandikira ari amagambo. Et puis il les a écrits ces paroles. Aza kongera kubibutsa ko aho bavuye.
qu'ils étaient païens, qu'ils étaient des gens qui ne méritaient pas la compassion. Ils n'avaient pas de promesse de Dieu. Ils n'avaient pas Dieu en eux. Ils étaient loin de Dieu. Et il a commencé à leur dire ce que Dieu a fait. Mais maintenant, parce que vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes éloigné, vous avez été Alléluia. Rapproché par le sang de Christ. Vous avez été rapproché par le sang de Christ. Vous étiez éloigné, laissez-moi vous dire ce que j'ai fait. Vous avez été rapproché par le sang de Jésus. C'est lui qui est notre paix. C'est les enfants d'Israël seulement qui avaient les promesses. Les autres, on n'avait pas de promesses de Dieu. On était séparés. Il nous a fait un. Alléluia. Amen. Il nous a fait un. Paul aime parler de la paix, c'est quelque chose de très important. Quand Jésus est remonté au ciel, il a dit à ses disciples, je ne vous laisse pas l'argent, je ne vous laisse pas les visas, je ne vous laisse pas les visas. Je ne vous laisse pas toutes ces choses qui nous préoccupent. Je ne vous laisse pas les choses matérielles. Leur a dit, je vous laisse la paix. Et après, Paul a écrit aux Colossiens, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. La paix par laquelle vous avez été appelé. La paix de Christ nous fait vivre. La paix de Christ nous fait vivre. Et lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation. Il y avait un mur de séparation. Ceux qui disaient, nous on a Dieu, les autres n'avaient pas Dieu. Et en anéantissant par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux personnes, en établissant la paix et de les réconcilier l'un à l'autre. Il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur de la croix. Mais s'ils connaissaient la valeur de la croix, c'est elle qui nous a réconciliés avec Dieu. Si je dis que je suis le petit frère de Jésus, personne ne peut se moquer de moi. La Bible dit que nous sommes cohéritiers avec Christ. Il y a des choses qui nous bouleversent, mais si on savait la valeur qu'on a en Jésus-Christ. La croix de Christ, c'est quelque chose de très important. Nous avons réconcilié avec Dieu. Si Jésus n'avait pas été crucifié et qu'il soit ressuscité aujourd'hui, on n'aurait pas de valeur. La valeur qu'on a, c'est à cause de Jésus. Et nous vivons dans un autre endroit. Nous vivons dans une autre gloire. Nous sommes au ciel d'une manière spirituelle.
Nous avons été déplacés, nous sommes dans un autre endroit. Si les gens connaissaient la valeur de la croix, on devrait vivre d'une manière digne des gens qui vont au ciel. Abraham a vu une cité. Il a dit, je ne vais pas vivre ici. Il voyait un pays. Et il se demandait pourquoi il construit. Alléluia! Notre cité, elle est loin. Les gens qui se disputent pour la terre. Vous savez, des gens qui s'empoisonnent à cause des terres. Cette terre où on va t'enterrer un jour. Et parce que à cause de la terre. Dis-lui de prendre ça. Dis-lui de prendre ça. Que la paix de Christ règne dans nos cœurs. Yesu ngo araza ngo aramubwira ngo umumareke witeka ngo araza ngo aramubwira ngo iri joro imishinga yawe yose warufite irahagaze ndagutwara. Il y avait un homme qui avait des grandes terres, il était en train de faire ses projets et la nuit Jésus est venu lui dire aujourd'hui tous tes projets vont s'arrêter parce que tu vas mourir. Qu'on ne puisse pas fixer nos yeux sur ces choses et qu'on regarde au-delà. Qu'on regarde au-delà de ces choses. Les besoins ne finissent jamais. L'année passée, mon problème c'était de marier. Toute personne qui vient me voir pour que je puisse me marier. Et moi aussi je priais pour moi. Aujourd'hui mon épouse elle est assise là-bas. Et non, je dis Seigneur un enfant. Quand Dieu va me donner un enfant, je vais commencer à prier pour le Minerval. Dis la vérité, qu'on ne puisse pas fixer nos regards sur ce monde. Turebe undi mudugudu, turebe undi mana yaduteguriye. On regarde cette cité que Dieu a préparée pour nous. Vous pouvez lire dans Nombre 16, je ne vais pas tarder. Cet homme, il s'appelait Corée. C'était un lévite. Il venait de la maison des sacrificateurs. C'était un serviteur de Dieu qui avait bien élevé ses enfants. Mais un jour, le diable est entré chez lui. Il a commencé à regarder Moïse. Il a dit, comment est-ce que Dieu t'utilise, toi, Moïse? Il a commencé à bien l'évaluer. Il a dit, toi, Moïse, toi, tu ne sais pas parler. Et deuxièmement,
Tu t'es marié avec une étrangère. Est-ce que vous savez que Moïse était marié avec une étrangère? Et Moïse, on a commencé à l'évaluer de la tête au pied. Il y a trois choses qui te caractérisent. Premièrement, tu ne sais pas parler. Deuxièmement, tu t'es marié avec une femme étrangère. Et troisièmement, tu vas et tu nous apportes un message. Pourquoi Dieu te parle à toi seul? Pourquoi il ne parle pas à tous? Et même quand tu amènes le message, ce n'est pas toi qui le dis. Dieu ne peut pas trouver quelqu'un d'autre à utiliser à part toi. Et il a vraiment méprisé. Mais Aaron avait des gens qui le supportaient. Il avait l'assemblée qui le supportait. La raison pour laquelle je le dis, c'est parce que vous allez, quand vous lisez les psaumes, vous allez voir les fils de Kora. Les fils de Kora. Ils ont écrit 12 psaumes. C'était des chants spéciaux quand ils chantaient dans le désert. La gloire de Dieu descendait. Regardez le psaume qu'ils ont écrit. Ils ont dit Dieu est pour nous. Seigneur, tu es notre refuge. C'était la révélation des fils de Kora. Ils ont dit Dieu, tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Corée avec des gens qui étaient à ses côtés. Vous pensez les disputes viennent de dehors ou bien elles sont ici à l'église? Elles viennent des gens qui sont ici à l'église. Tous les conflits qu'on a ici à Kimisagara, c'est des conflits internes. Le conflit qu'on amène nous-mêmes. Un païen qui vient de l'extérieur ne peut pas amener des conflits. La plupart des conflits viennent de nous, les chrétiens. Et on commence à régler des problèmes qu'on ne devrait pas régler. Corée était à côté de Moïse. Il a des enfants qui savent chanter. Il a des enfants qui savent diriger le culte. Pasteur Israël est ici, lui n'a pas d'enfants qui savent chanter. Et même sa prédication. Peut-être qu'il sait, il est bien pour organiser, mais c'est le pasteur Célestin qui prêche. Et puis maintenant, papa Joshua, qui a des enfants qui savent chanter, il dit, comment est-ce que le pasteur Israël nous dirige? Et les conflits commencent. Mais Moïse ne s'est pas disputé avec les fils de Corée. Il a dit aux fils de Corée que Dieu soit notre juge. Alléluia. Si quelqu'un veut te faire du mal, ne cherche pas à te combattre pour toi-même. Il y a des gens qui créent des systèmes et disent celui-ci va me défendre. Va dire papa Emmanuel nous wange. François nous wange. Papa Gérard nous wange. Papa Gérard m'appartient. Papa, je ne pas, pas de mon côté. Il va essayer de créer des conflits parmi ces personnes. Mouille, 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 mou
imana umuntu nakuvuga umucamanza wawe ni imana umuntu nakurenganya umucamanza wawe ni imana umuntu nakugira nawe umucamanza wawe ni imana si quelqu'un te fait du mal ton défenseur c'est Dieu ndabwiza ukuri Je vais vous dire la vérité. Je ne sais pas si vous avez fait ça. 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 Vous savez ce qui s'est passé? Vous avez fait ça. Matin, Dieu a dit Moïse, va, je vais te montrer ce que je vais faire. Moïse, c'est ça le problème de se rébeller contre Dieu de donner accès au diable on a toujours les psaumes qu'ils ont écrits les gens qui se battent à l'église c'est les serviteurs de Dieu qu'on connaît ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu c'est les serviteurs de Dieu qu'on connaît Imana yari yarashatse uburyo bwose yagenda ivana abantu muri ubwo buryo bwo kubahaniraho bwo gucungura Imana ibwira Mose une façon de d'aider les gens à ne pas se venger Mose ari amukubara ibice 35 murongo wa gatandatu kiriya gice cyose kivuga imidugudu y'ubuhungiro et dans le chapitre 35 de Nombre parle des villes les villes lévitiques ariko byaje kugera kuri Yosua Et au temps de Josué, les gens se tuaient et il a mis ça en pratique. Il s'est souvenu de ce que Dieu avait dit à Moïse. Il a construit des villes de refuge. Quelqu'un qui avait commis un péché qui méritait la mort. Cette personne courait. Elle courait. Et courait pour se réfugier dans la ville de refuge. Personne ne pouvait plus le tuer. Amen. Twese amen. Uyu munsi wa none biratandukanye n'ibyo gihe. Aujourd'hui c'est différent. Tous les péchés qu'on commet aujourd'hui. Mais on va se réfugier vers Jésus. Jésus, on demande. Et il nous pardonne. Cette ville de refuge, ça symbolisait Jésus. Alléluia. Hallelujah. C'est notre ville de refuge. Où est-ce que tu cherches ton refuge? Quand tu as péché, où est-ce que tu cherches ton refuge? Quand tu es maltraité, où est-ce que tu te refuges? Quand tu es dans la guerre, où est-ce que tu vas te refuges? La ville de refuge qu'on a, c'est Jésus. C'est lui notre ville de refuge. Aha.
Je vais parler de cette famille avant de conclure. La famille de Joseph et Marie. Ils n'ont pas donné accès au diable. Les Juifs ont dit Marie doit mourir parce qu'elle a eu naissance à un enfant illégitime. Ariko Imana ishimwe yashize Joseph mu nzira ye. Mais gloire à Dieu parce qu'il a placé Joseph. Joseph kuko yari umugabo wumva ijwi ry'Imana aramukavaringa baragenda barabana bamaze kubana. Joseph parce que c'était quelqu'un qui craignait Dieu, il l'a protégé, ils ont vécu ensemble. Yesu aravuka. Jésus est né. Yesu amaze kuvuka. Après qu'il est né. Yarantangaje. Ça m'a étonné. Ari bintu tujye tubona tukabona ibitangaza bya Yesu byo ku rwego rwo hejuru. Il y a des miracles qu'on voit que Jésus a fait. Mais n'oubliez pas que Jésus a été aussi enfant. On lui a donné de la nourriture pour enfant. Yes. Lui a donné le pot. Yesu bamuhaye ikise. Kigozi niba yari hari. Lui a donné du lait pour enfants. Niba yarayimuhaye muri icyo gihe nyine kigozi icyo gihe. Bamuhaye ibintu byose bari yabantu. Kugeza toutes les choses nécessaires. Ariko bari abantu bari bari kuri bumvaga ijwi ry'Imana ryarakubitaga gutya bakaryumva vuba. Et ils écoutaient la voix de Dieu. Ngo umunsi umwe ngo marayika witeka aramubereke aramubwira ngo Herode ari kugenza Yesu ngo amwice. Un jour l'ange de l'Éternel lui a apparu et lui a dit que Hérode veut tuer Jésus. Uyu mwana nimufate mumuhungishe. Alors vous allez vous enfuir avec ses parents. Et ils sont allés en Égypte. Mvuga cyane bajene hari arimo kubera iki? Yes, hari arimo kubera kana. Kandi bano basaza ntayo bazi bamwe na bamwe. Niho hari arimo kubera ya mipira ihuza ihugu bya Afrika byatsinze neza. En Égypte, c'est là où il y avait la Coupe d'Afrique des Nations. Bamuhungishirizayo. Ils l'ont amené en Égypte. Impamvu bakoze ibyo byose ni ukumva ijwi ry'Imana, ni ugutegereza Imana. Ils ont fait toutes ces choses parce qu'ils écoutaient. Wari umuryango wari wicaye utegereje ngo Imana reka twumve icyo Imana itubwiye. C'était une famille qui écoutait la voix de Dieu. Undi mugabo mvuga. Et une autre personne dont je vais parler. C'est Gédéon. Abisirayeli bari mu bubata bw'Abamidiyani. Les Juifs étaient dans l'esclavage des Midianites. Et ils étaient dans des moments difficiles. Un jour, l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, c'est toi que je vais utiliser. Si vous lisez, vous allez être étonnés par la conversation. Il y avait une communion spéciale. Kuvugana n'Imana mu buryo budasanzwe. Yageze aho ayisiga. Dieu d'une manière spéciale. Arambira ngo mana sigara hangaho urahangaha niba ari wowe kuwampamagaye. Attends ici un peu. Ndagiye nje kuzana ituro ryo kugutura. Je vais amener une offrande. Musanga hangaha nuhave dore kukunda kugenda. Et je veux te trouver ici. Aragenda ngo arirukanka ngo ajye kuzana ituro agarutse ngo abaze Imana ngo uracyaraha. Ngo Imana ngo ndacyahara. Chercher l'offrande, la demander à Dieu est-ce que tu es toujours là? Cette communion qu'il avait avec Dieu. Dieu lui a dit d'aller détruire tous les idoles des Madianites. Et on a voulu le tuer parce qu'il avait détruit les dieux des Madianites. Et cet homme, son père, leur a dit, est-ce que vous êtes vraiment intelligent? Que je vous donne mon fils qui a détruit vos dieux.
none muri kurwanirira imana niba ari imana yaje ikarwanya gitiyo niba ari imana c'est la cause de vos dieux si c'est un dieu qu'il vienne et qu'il se batte contre hari hari imiryango itarigeze ibererekera satan il y a des familles qui hari hari imiryango itarigeze iha urwuho satan. Il y a des familles qui n'ont pas ouvert la brèche à Satan. Si ces familles dont on a besoin, ces jeunes gens dont on a besoin. Et la Bible dit du reste, soyez affermis dans le Seigneur. Soyez affermis dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Yavuze kuri mu Kristo aravuga ngo ubwo bageraga mu isoko ry'imbura mu maro ari kumwe na mwizero ngo bari kugenda gutyo bafatanye ukuboko ngo barigezemo rya soko ntavuga Audrey nagusize cyane yes reka mvuge ibi ngibi ntacyo bitwaye ngo ubwo bari bageze muri rya soko ry'imbura mu maro quand ils étaient dans ce marché des choses vaines ngo mu Kristo le chrétien, ils étaient en train de marcher. Et puis Tigo. Wander est ici. L'autre, je vends le. Moi, je vends la divinité. Et moi, je vends le mensonge. Moi, je vends la distraction. Et ils vendaient des choses différentes. Quand ils sont arrivés dans ce marché, et ils ont vu qu'il n'y avait rien qui pouvait. Et ils ont continué à marcher. Et ils venaient leur demander ce qu'ils vont acheter. Ils ont dit, il n'y a rien ici qu'on puisse acheter. Celui qui vend la vérité. Celui qui vend la vérité, on va acheter. Ils lui ont dit, ici on ne vend pas de vérité. Tenez donc ferme et avouez. Parlez de la puissance de Dieu. La vérité, c'est ça, la présence de Dieu en nous. Qu'on se tienne dans la vérité. Est-ce que tu achètes la vérité? Vendredi, on est ici, tu es ailleurs. Est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que tu te tiens dans la vérité? Qu'on se tienne dans la vérité. On ne peut pas faire toutes ces choses sans connaître cette chose primordiale. C'est de donner notre vie à Jésus. Si tu es ici, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Lève ta main. Lève ta main et reçois Jésus.
uzamure ikiganza umuhe ubuzima bwawe. Don lui ta vie. Uzamure ikiganza umubwire ngo Yesu ndakwihaye unyiyoborere utege ku buzima bwawe. Et dis à Jésus, je me donne à toi pour que tu puisses me diriger. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu peux être le deuxième ou le troisième. Gloire à Dieu. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu Jésus, est-ce que vous pouvez lever vos mains? Que Dieu vous bénisse. Si Jésus vient dans ta vie va changer. Le Fils de Dieu, tu vas devenir un enfant de Dieu, ta vie va changer. Et ta vie va changer. Est-ce que tu es là? Tu n'as pas encore reçu Jésus. Lève ta main. Lève ta main. Wirwana n'umutima ngo uvuge ngo ari ku mutima wanje. Umutima wa kuneshi. Uwo ngondi Satani ubukubwira ngo wihe ubuzima bwawe Yesu. N'écoute pas le diable qui te dit de ne pas donner ta vie à Jésus. Mais Jésus te veut. Yesu arakwifuza mwene data. Il te cherche. Yesu aragukeneye. Il a besoin de toi. Ta vie va changer aujourd'hui. Nous allons tous nous mettre debout. Nous allons prier et dire à Dieu que ta vérité soit en nous. Prions que ta vérité nous dirige. Ureke mwami mwiza amaso yacu tuyavane kubyo turebe bya none ahubwo turebe mwishuru niwe duteguri ubwami bwiza tuzabamo reka mwami mwiza turebe kuri wowe reka bari wowe duhora turebaho reka bari wowe duhora duhanga amaso reka bari wowe duhora dutegereza reka bari wowe uhora tugirira neza utubashisha kandi dushoboza ukora n'ibikomeye urakoze murengezi wacu urakoze mutabazi wacu urakoze mahoro yacu urakoze kutugirira neza ishimwe n'ikuzo ni ibyawe mu izina rya Yesu amen. Et un bon dimanche.